Bonjour les scrappeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo où je vais vous montrer tout le magnifique envoi que j'ai reçu de la part de la boutique Scrap Influence, dont je fais partie. Je fais partie de leur DT et j'espère que notre collaboration durera longtemps et que voilà, me proposera des produits de sa boutique pour vous les montrer. Voilà. Alors, elle m'a envoyé des magnifiques choses, bien évidemment. Alors, pour deux projets différents, deux ou trois projets différents, parce que je pense que je pourrais faire bien plus. Alors, donc, je vous présente les produits. Donc, tout d'abord, elle m'a envoyé des papiers en taille 20-20, qui sont très pratiques pour faire des minis. Moi, c'est vrai que comme je fais beaucoup de pages, mais je ne vous l'ai encore pas montré, mes pages sur ma chaîne, parce que je n'ai pas le temps de tout montrer en fait, hein. Mais je fais donc sur ma chaîne essentiellement, effectivement, des cartes, et vous allez voir bientôt un nouveau mini. Donc, elle m'a donné en deux fois hein, des papiers donc qui font 20-20, alors, qui est de la collection Scrap Alup. Alors, en plus, c'est écrit en tout petit. Voilà, des papiers de 190 grammes, donc qui viennent d'Ukraine, hein, Made in Ukraine, et qui s'appellent Tendernesse. Je pense que c'est tendresse en ukrainien, je suppose, je ne sais pas. Voilà. Donc, de Scrap Alup. Et donc voilà, ces magnifiques papiers. Alors, je vous les montre en détail. Donc, parce qu'ils sont superbes. Hein. C'est vrai que, en plus, les papiers comme ça, quand c'est de la super qualité, je trouve qu'ils sentent bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, du coup, c'est des papiers qui sont recto verso. Alors, je vais vous montrer à chaque fois le recto et verso. Regardez comment c'est beau. Hein. C'est vrai que là, avec pour un mini, on voit tout de suite, on s'imagine tout de suite qu'on va pouvoir faire. Hein. Donc, comme ils sont en deux fois, je vous montre l'autre côté. Donc, ils sont verts. En plus, vous savez que j'adore le vert. Hein. Mais voilà, c'est un peu thème nature, vert avec des taches. Et c'est super joli. Avec là, du marron, vous avez un peu comme une tapisserie, des fleurs. Alors, j'espère que la lumière rend bien parce que c'est vrai qu'on est le soir. Et là, ça fait un quadrillage. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Vert. Un petit quadrillage. Alors, si je vous le montre, il n'y a pas trop de lumière. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Regardez celui-là. Ça fait magnifique ces fleurs, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Je pense que ça va être superbe. Hein. Donc, ils sont en deux exemplaires à chaque fois. Là, on a des petits cœurs, je les mets à l'envers, avec un fond un peu marron clair, ce marron un peu lin. Là, ça va être super joli. Et des petits cœurs blancs. Là, vous avez un bois, du bois. Voilà. Alors, pour faire un chouette. Là, ce sont des roses. Et pas que des roses. Hein, voilà, tout dans les mêmes tons blanc et vert. Ils sont superbes. Là, c'est comme des petites vagues. Voilà. Et puis là, vous avez un marron de l'autre côté. Donc, ça, c'est le verso. Un marron avec du feuille, avec toute une impression au milieu, vous voyez bien, dorée, qui est magnifique. Et puis, vous avez une petite planche pour pouvoir découper des petites cartes, voilà, hein, insérées dans le mini. Elle est magnifique, cette collection, hein, vraiment. Donc, Tendernesse. Voilà, hein, donc, et en plus, elle me l'a envoyé deux fois, donc je vais pouvoir et faire des cartes, et faire un mini, plein plein de choses. Merci Valérie, c'est chouette. Et puis, pour aller avec, bien évidemment, elle m'a mis la panoplie complète, hein, qui est superbe. Donc, les die cuts, qui vont avec la collection. Donc, ils sont sublimes. C'est vrai que quand vous avez du beau papier, en plus, vous avez les die cuts. Elle m'a mis vraiment, c'est... Regardez-moi, c'est magnifique.
Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais là, on va pouvoir faire vraiment. Il y a des magnifiques. Elles sont superbes, hein. Il y en a des dorées. Plein de fleurs qui sont exactement le même motif. Là, il y en a encore des dorées. Alors, je ne sais pas combien il y en a, combien il y en a dedans, mais à 51. Ah ben, il y a de quoi décorer et de faire des super choses, hein. Il y en a plein, des toutes petites aussi. Des petits feuillages. Plein de jolies fleurs. Ma fille serait là, elle pourrait dire ce que c'est comme fleurs, là, mais celle-là, très jolie. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de feuillages. Ça, c'est des hortensias. Très, très jolies. Des feuillages même dorés. Et sont supplés. Superbes. Superbes. Vraiment, c'est très, très chou. Vraiment magnifique. Hein. Donc, ça va. Et puis, en plus, elle m'a mis des die-cuts plus épaisses. Des chipboards. Alors, qui se sont toutes carapatées de l'emballage. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est fait pour les enlever. Et là, qui va être, regardez-moi tout ce qu'il y a. Oh là là, je vous montre quelques-unes. Alors là, doit y avoir le milieu, je pense. On a de la chance, c'est en anglais, c'est pas en ukrainien. Hein, parce que ça aurait été écrit en ukrainien. Mais regardez comment c'est beau. Elles sont très très belles, hein. Vraiment. Ça permet de vraiment faire plein plein de choses là. Superbe. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y en a vraiment. Hein. Et là, quand vous achetez la planche, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit. Hein. Donc toujours dans cette même collection. Vraiment superbe. Très jolie. Et puis elle m'a mis pour aller avec, je suppose. Hein, après, elle m'a mis ces magnifiques fleurs. Floral embellissement, color me. Je pense que vous le verrez même bien dans ce. Voilà. Je vais laisser. Color Me Crazy. Regardez ce bouquet que je vais pouvoir séparer. Voilà. C'est marqué ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Vous voyez, il ne faut pas laisser nos enfants scraper, hein. Non, mais avec ces petits tortillons et ces fleurs, elles sont superbes. Vraiment très très jolies. Voilà, ça va être aller avec, ça va être superbe. En plus. Ce qui est super sympa, c'est qu'elle m'a même donné le scotch double face. Alors ça tombe bien parce que j'en avais plus. Je vais pouvoir tester. Je suis sûre que c'est de la super qualité. Donc elle m'a donné du 6 mm et du 3 mm, du plus fin. Voilà, je suis très très contente. Superbe. Et puis pour aller avec, elle m'a mis de la dentelle et du ruban. Alors je verrai. Celle-là, j'utiliserai peut-être plus pour le côté masculin. Je sais pas trop, je vais voir. Regardez, de la jolie dentelle sur les tons gris qui ira très très bien avec. Elle m'a mis de l'autre qui ira plus pour l'autre collection que je vais vous montrer tout de suite. Là, c'est de la magnifique dentelle blanche. Voilà, qui est puisqu'il faudra un mini qui se ferme. Et puis un magnifique ruban qui va aller avec l'autre collection, je pense. Alors, elle m'a mis des petits sequins doré pour mettre un peu de lumière et puis un magnifique ruban couleur un peu moutarde. Voilà, un peu un jaune moutarde. Je sais pas si vous le voyez bien, jaune moutarde à l'écran. On a l'impression qu'il est plus jaune dans mon retour qu'il n'est. C'est vraiment voilà, couleur moutarde qui est superbe. Voilà, et puis donc la deuxième chose. Alors, elle m'a fait une jolie carte en plus. Voilà, avec un petit mot, je la mets à l'endroit, ça irait mieux. Une très très jolie carte. Et puis elle m'a donné un bloc de papier
idéal pour la fête des pères. Alors, je vais me dépêcher de faire une carte pour la fête des pères. J'espère que vous l'aurez, en tout cas, au moins dimanche matin, ça c'est sûr. Et puis, ça vous donnera surtout des, voilà, que je vous disais, des idées d'avoir du papier spécial masculin. Hein. Donc, c'est la collection Gentleman. Gentleman. C'est du papier. C'est du papier de quelle dimension? Alors, regardons ça. Donc, c'est du papier qui fait 15-15. Voilà. Je vous le montre. Idéal pour faire donc une petite carte. Alors, on va regarder ensemble, mais je suis sûre que Gentleman, donc Scrapbook Paper. Donc, c'est une collection qui vient de Pologne. Voilà, quand je vous disais qu'elle travaillait beaucoup avec les pays de l'Est. Hein. Donc, à chaque fois, il y a trois feuilles. Alors, je vous montre le premier motif. Donc là, vous voyez, il n'y aura pas grand-chose à faire pour faire une magnifique création masculine. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche. Hein. Quand on veut faire à nos maris et... Voilà, à nos papas, nos fistons. Regardez comme elle est belle, celle-là. Je pense que... Bon, j'ai déjà ma petite idée en voyant de quelle carte je vais faire que vous puissiez avoir pour dimanche. Une jolie carte des pères. Voilà, donc à chaque fois, il y a trois feuilles. Donc, c'est du papier qui est de la même... de la même épaisseur, hein, c'est du 190 grammes, très très joli, vraiment, donc il est blanc hein, de l'autre côté, hein, c'est pas recto verso, hein. Mais faire un mini même, voilà, pour, je ne l'ai pas montré celle-là, non, voilà, si vous cherchez du papier pour les hommes, là je vais les détourer, pour pouvoir les mettre sur l'autre feuille, ça va être super chouette, vraiment, très chouette cette collection. Hein. Voilà. Et puis donc avec, elle m'a mis des petits badges. Alors, je ne sais pas s'ils vont servir au mini ou sur la carte. Je verrai bien. Hein, qui iront bien avec les deux. Je pense qu'on peut peut-être enlever. Voilà, qui se vendent par 4. Donc, c'est Scrap à lupe, pareil. Et puis, le titre, bah, je ne peux pas vous le lire parce que ce n'est pas écrit en français, ni en anglais. Alors, déjà qu'en anglais, je suis une... Donc là, oui, ça doit être des pays de l'Est. Donc, je ne sais pas quel pays, mais voilà. 4 magnifiques badges, bien évidemment, que j'utiliserai. Et puis, pour terminer, pour aller avec la petite collection masculine, elle m'a glissé dans mon envoi... donc de toujours Scrapbook Paper dans la collection Gentleman. Ce sont des petites cartes pour décorer. Il y en a 24 dedans. Alors, hop, ça c'était la petite présentation pour que vous puissiez trouver sur le site. Voilà. Et. Oh, c'est chouette, regarde. Alors, du coup. Vous voyez, plein de petites cartes. Alors. Je vais pouvoir faire des ATC masculines. Sur le thème masculine, j'aurais pas grand chose à faire. Hein. Je crois qu'elles sont presque faites d'ailleurs, mes ATC. Hein. Voilà. Je vais pouvoir m'en servir pour faire une carte. Voilà, vous allez bientôt voir. J'ai fait bientôt des cartes. J'ai fait en vidéo des cartes. Que je les aurais eues quand j'aurais fait mes cartes. Je les aurais eu quand... Oui, voilà, j'aurais fait les cartes. C'est pas très français, cette phrase, mais c'est pas grave. Eh ben, elles m'auraient bien asservi. Elles sont magnifiques. Alors là, je vais mettre ça sur une carte. Plus les petits chapeaux que je vais... Petits chapeaux au melon que je vais détourer. Très, très joli. Voilà. Et puis la dernière. Voilà. Superbe. Eh bien, écoute, Valérie, je te remercie bien. Je vais me mettre au travail. Je trouve tout ça très chouette. Et puis, ça fait un peu un défi. Bon, après,
Elle m'a mis du nature et du vert, donc ça ne devrait pas être trop compliqué pour moi. Et puis faire des petites cartes masculines, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que voilà, si on a l'habitude de charger un peu nos cartes, et ben là, les hommes, ils aiment pas trop, hein. Donc voilà, et ben écoutez, je vous ai tout montré, les magnifiques cadeaux que j'ai reçus de la boutique Scrap Influence. Je vous laisserai donc en barre d'infos, bien évidemment, le lien pour la boutique. Et puis vous irez voir, découvrir sa boutique et voir toutes ces magnifiques, magnifiques choses qu'elle nous propose pour faire de superbes créations. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Au revoir.